Salut tout le monde, c'est Koroto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sword Art Online 3 Lost Song. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui se poseraient des questions attendez, je vais retrouver comment on fait. Sur ça, niveau 134, 2331 points de vie, 996 PM, attaque 108, 162... Et mes compétences qui sont niveau 50 et 54, il faut aller voir le hors-série que j'ai sorti mercredi, si je dis pas de bêtises, pour comprendre pourquoi j'ai autant progressé. Moi, bon, après, je sais pas où j'en étais au niveau de la vie, mais les compétences, je sais que ça a beaucoup augmenté. Du coup, la dernière fois, je sais pas ce qu'on faisait, puisque j'ai fait l'épisode hors-série et du coup, je suis complètement paumé. Alors, je crois qu'il faut faire ça. Un combat aura lieu lors de cet événement, c'est pas grave. いる？パパ、私です。アスナとユイカ。今ドアを開けるからな。パパ！ユイ、いきなり抱きついてきて、どうしたんだ？突然押しかけてごめんね。構わないよ。あの、パパにお願いがあるんです。ん？何でも言ってみろ。 パパとママと私の3人で写真を撮りたいんです。そんな、そうか、家族写真か。そういえば撮ってなかったな。私もみんなで写真撮りたいな。そうだな。じゃあどこで撮ろうか。せっかくだから景色のいい場所がいいよね。景色のいい場所、街の中じゃなくてフィールドの方がたくさんありそうだな。 まずは撮影場所を探しに行くか。はい、3人で空のお散歩ですね。ゆいちゃんすごく楽しそう。早速出発です。Bon. Sortons du coup. Ah, ça nous emmène direct. なかなかピンとくる場所がないな。なんだかこの辺のフィールドを閑散としてるよ。 別の場所を探すか。あ、どうしたの？あれ、見てみろよ。クエストが発生してますね。なんでこんな人気のないところにNPCが立ってるんだろう。あ、ちょっと、キリト君？行っちゃった。パパはこういう珍しいクエストに目がないですからね。もう、キリト君ってば。ユイちゃんごめんね。いえ。 みんなで冒険するのも楽しいです。私はパパとママとまたこの世界で一緒にいられるだけでとっても嬉しいんです。うん、私もだよ。写真はいつだって撮れます。だから今はパパのところに行ってあげましょう。そうだね。キリト君、置いてかないでよ。ごめん、つい。それでクエストやるんでしょ？ え、いいのか？はい。みんなで挑戦しましょう。キリト君よりずっと大人だね。それじゃ、お言葉に甘えて。NPCが困っているみたいですね。パパ、話しかけてみてください。わかった。あの、どうしたんですか？ああ、若者よ。話を聞いてくれるか？はい。 Non, je veux pas, dégage. 以前はな、ここら一帯は美しい自然に囲まれた村だったのじゃ。しかし、今ではこの有様、水、それもこれも、みんな、あの怪物のせいじゃ。あいつが現れてから、川の水がせき止められてしまった。若者よ、どうか怪物を倒して、 村を救ってはくれないか。なるほど。討伐系クエストみたいだな。わかりました。任せてください。おお、ありがとう。その怪物はどこにいるんですか？ああ、もともと川の上流だったところに居座っておる。気をつけるんじゃぞ。会話が終了したみたいだな。 地面の傾斜的にあっちの方ですね。よし、行ってみよう。
あそこにいるのが例の怪物か。川をせき止めるだけあってかなり大きいわね。あのモンスターは体が大きいので敏捷性は高くないようですね。一撃一撃をちゃんと見極めてステップで避ければ大丈夫だと思います。そうなんだ、ゆいちゃん、ありがとう。パパとママのことを全力でサポートします。ゆいがいると心強いな。さて、行くか。うん、はい。わあ、rien à foutre. Merde. Sors ton épée, ça marchera mieux. Déjà, on fait ça. La base. Hop. Et on l'enchaîne. Parce que vous voyez, nous, on est devenus super cheatés. Et du coup, maintenant, les dégâts qu'on fait sont juste énormes. Encore boum. Et encore boum. J'ai plus de mana. Vous allez voir, on les défonce. Easy. Par contre, Yui, tu sors pas grand chose là. Hein. Tu peux pas me dire que, genre, mettre une petite indication quand il m'attaque ou je sais pas. Non, parce qu'on était censé nous aider. Putain, il a des dégâts de partout. Tellement on l'a tapé. Et du coup, j'aime bien ce genre de petite quête là. C'est bon, il est mort? Non. J'aime bien ce genre de petite quête là où il y a une grosse histoire derrière. Parce que là, je pensais que ça allait être genre. On devait chercher un monstre et basta quoi. Ou alors on allait se faire attaquer dans notre propre appartement carrément. Alors je crois qu'il faut tous les tuer. Et si en fait on les laisse se reproduire, bah ça fout la merde. Si j'ai bien tout compris. Hop. Ça va. On est combien? Niveau 135. Dites-moi dans les commentaires. Pour ceux qui connaissent le jeu, niveau maximum. Et à quoi sert la synergie? Oui, parce que j'ai pas trouvé. Parce que j'ai dit que je cherchais sur internet dans leur série. Mais je n'ai pas trouvé ce que c'était. Enfin, c'était soit en anglais, soit ça répondait pas à ma question, etc. etc. C'est bon là, non? Ah non. Ah bah Yui. Tiens. À quoi sers-tu? Ah d'accord. Toi, tu restes quand même en dehors du combat, quoi. Non mais sérieux, quoi. Bof. Trop facile, ouais, t'as raison. これでクエストクリアだな。あれ？何も起こらないよ。おかしいな。他にも怪物がいて。いえ、その。なんだ？いきなり地面が揺れ始めたぞ。地震？来ます。三、二、一。うわあ！ごわあ！いきなり地面から水が吹き上げたぞ。何かが爆発したかと思ったわ。これで川は元に戻ってクエストクリアですね。まさか最後にこんな仕掛けがあるとは思わなかったな。本当だよ、びっくりして腰が抜けちゃうところだった。パパ、ママ、あれ見てください。あ、虹だ。わ、すごい。吹き上げた水のおかげでできたんだな。私、VR 世界とは思えないくらいだよ。ああ、そうだ。どうしたの？ここで家族写真撮らないか？もうこんなに綺麗な虹は見られないかもしれないしさ、記念にちょうどいいだろ。はい、賛成です。もうさっきまでクエストのことしか考えてなかったくせに調子いいんだから。そうと決まれば虹が消える前に撮るぞ。ユイとアスナ、ここに立って。わかった。ユイちゃんは私とキリト君の間ね。はーい。それじゃあ行くぞ。はい、チーズ。ちゃんと撮れた？ああ、バッチリだよ。パパ、ママ、ありがとうございます。ユイが喜んでくれてよかったよ。ユイちゃん、これからも家族3人でたくさん写真撮ろうね。はい。Voilà, j'ai trouvé ma quête préférée. juste attendez, il disait pas qu'on pouvait voir nos photos? C'est tout ce que c'était là. Galerie. Ouais.
on peut regarder nos photos. Franchement. C'est pas mania. Merde. Bah, plus de bouteille d'eau. Alors, attendez, je voulais faire un truc. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, pendant l'épisode hors série, j'ai été tombé sur... Enfin, j'avais pris Argo pour jouer, d'ailleurs, qui n'est pas terrible, je trouve. Enfin, j'ai pas trouvé qu'elle était très utile dans l'équipe. Qui est encore là, on va la dégager. Elle nous avait envoyé un message que je n'avais pas lu, du coup. Où est-ce que c'est déjà le message? Message. Oh, on a plein de trucs là. Argo. Alors, yo Kirito. Ta pote Argo est vachement contente qu'on recommence à se battre ensemble. On s'est jamais battu ensemble. Je couvre tes arrières si tu fais pareil pour moi. Ok. À machin plus. Arrobase. libre comme l'air de Asuna. C'est génial de pouvoir voler librement dans le ciel. C'est le genre de choses qu'on ne pourra jamais faire en vrai. Pas sûr, hein. Ils vont nous inventer des ailes, tu vois, on va planer dans les airs en 2036. J'ai dit une date au pif. Tu crois que c'est... Attendez, ça aurait été là qu'on ne pourrait jamais... Ouais. Tu crois que c'est ce que les oiseaux ressentent tout le temps? Je pense pas. Est-ce que tu t'amuses aussi, Kirito? Je parie que je connais déjà ta réponse. J'ai du mal à lire, ça me saoule. Stria. Halo est peut-être basé sur SAO, mais c'est quand même un jeu complètement différent, vu qu'on peut voler et utiliser la magie, tu ne trouves pas? Ah oui, parce que c'est l'exact opposé de SAO, Halo. Hein. Enfin, Sword Art Online et Alfheim, parce que Alfheim, c'est là de plus tu utilises une compétence d'attaque, et plus elle est forte, alors que dans SAO, c'est... Bah non, moi je vous dis que de la merde. Asuna. Salut Kirito, je me demandais si... Tu sais quand c'est l'anniversaire de Yui? Non, putain! Elle est avec nous depuis qu'on l'a retrouvée dans cette forêt, mais on n'a jamais fêté son anniversaire. Si tu ne sais pas non plus, on va être obligé de lui demander. Ah ouais, putain, j'avoue, j'y avais jamais pensé à ça. Bon, attendez. Déjà, on dégage Argo. Et on va prendre... on va prendre... Je sais pas qui on va prendre. Attendez. Argo est niveau combien? Niveau 128. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aussi leur monter de niveau. Je voudrais prendre... tiens, Lifa. Hop, pour essayer. Je prendrai aussi à Guild un jour. Parce que j'ai envie d'essayer aussi. Alors, j'aimerais passer à la forge. Je crois que ça s'appelle comme ça. Avant de continuer, essayer d'améliorer quelques compétences. J'ai encore reçu un message. Message. Lifa, tu maîtrises super bien le vol maintenant, mais attention, tu ne me surpasseras pas comme ça. Je t'ai déjà surpassé. J'ai encore un message ou c'est celui de tout à l'heure? Non, c'était celui de tout à l'heure. Alors, la forge est là. Ici. Alors, je voudrais essayer d'augmenter mon épée. Pour taper un peu plus fort. Moi je tape déjà pas assez, j'ai l'impression. Enfin si, je tape un peu trop d'ailleurs. Améliorer une arme. Alors je voudrais améliorer... Ah c'est pour Lifa ça. Attends, mais Asuna elle a quoi elle? Membre du groupe. Asuna. Eta. Aiguille blanche. À quoi ça ressemble? Je sais pas, j'ai la flemme de regarder. Enfin, je sais surtout, c'est surtout que je sais pas comment on fait. Alors, j'aimerais faire évoluer cette épée là. Amélioration cours, amélioration d'objet. Clang, 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 clang. Bravo, amélioration vitesse. Ah, ouais, machin. Plus 2. Est-ce que je peux le refaire encore une fois? 100% de réussite. C'est reparti, on va essayer. Est-ce qu'on peut le passer? Oui. Plus 3. 100%, bah on recommence, allez, hop. Ouais. Je pense que ça devrait être bon, on va faire un petit peu divination. Par contre j'améliore ces épées, mais je sais même pas si je vais les utiliser, parce que peut-être après j'aurai des putains d'épées de fou. Et je sais pas du tout.
En fait, ce jeu, je pense qu'il faut le connaître si tu veux faire un let's play dessus, histoire de pas trop galérer. Merde, j'ai pas regardé combien de pourcentage. Ça a réussi. Allez, une petite dernière. Ouais. Bon allez. Ensuite, je voudrais... Ah, Guild, tu sers à quoi? Ah oui, acheter des armes. Petit truc sympa là-dedans. Je sais pas. Attends, j'ai pas fini. Alors, en accessoires, oui, parce qu'on n'a pas du tout d'accessoires. Alors, un anneau incrusté d'un minuscule joyau augmente légèrement la PV maximum. Oui, ça. Anneau fait d'argent pur augmente légèrement les PM maximum. En défense, ses dégâts, ses attaques sont absorbées et la jauge de garde se vide moins vite. Ça peut être pas mal. Collier offensif. Un collier fait des griffes d'un animal sauvage augmente légèrement l'attaque. Augmente légèrement la défense. J'ai pas beaucoup de dire, donc on va rien acheter là. Là par contre, il y a peut-être moyen qu'on s'achète des trucs. Ouais. Vente réserve. Bon, j'ai encore un peu du mal avec le... pas le gameplay, mais la façon de marcher, parce que je comprends pas tout. Je sais pas si mes armes sont bien, j'ai du mal encore. De toute façon, ça fait ça dans chaque début de MMO, de toute façon. C'est toujours été comme ça. Faut que je vous parle à vous. Ah oui, parce que, oui, j'étais pas retourné leur parler. Alors, merci de m'avoir amené sain et sauf, et désolé de vous avoir dérangé. Je me tais. Vous acceptez 2 élixirs de soins et 2 potions de mana. C'est mail. Ok. Je peux vous reparler? Oui, et toi? D'accord. Ensuite... Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Parce qu'il n'y a pas de point rouge là. Du coup, je suis un peu perdu. Est-ce que je peux aller là-bas? Il n'y a rien, d'accord. Champion! Champion! Ah mais y'a rien du tout en fait. Mais pourquoi je voulais aller là? Il disait pas qu'on pouvait y aller plus tard? Je sais plus. Alors y'a plus de quête. C'est quoi ce bordel? Peut-être que maintenant je peux me réasseoir? Non. J'ai plus rien à faire. Ça y est, j'ai fini le jeu. Fin de la démo. T'imagines, c'était une démo? J'aurais trop le seum. Voir les informations des quêtes activées. Bah non, j'ai fini toutes les quêtes. Ah mais là, attendez. Quête bonus, quête secondaire. Putain, j'ai pas quête principale. Ah oui, les compétences. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Comment on débloque des compétences? Ah, en gros, d'accord. Faut monter de niveau pour avoir des nouvelles compétences, ok. Alors, je vais juste aller là-bas, voilà. Pour voir s'il n'y a pas des nouvelles quêtes ou s'il n'y a pas... ou si c'est pas ici la suite, tout simplement. Bienvenue au concert des quêtes. Il n'y a pas de nouvelles quêtes. Ah, attendez. Il n'y a pas de nouvelles quêtes. Ok. Et là, je vois qu'il y a un truc que j'étais pas allé voir. Changement d'équipement. Ah non. Je m'en fous. Je m'en contrefiche. Bon, bah on va retourner dans la plaine, là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Faut pouvoir faire plein de choses. D'accord, c'est magnifique. あいつら護衛隊みたいなもんだし、一人一人がとんでもない力を持ったプレイヤーらしいぜ。俺、シャムロックの入隊試験落ちたけど、ずっとセブンちゃんを応援し続けるんだ。俺なんてこの間、七色博士の実物を見ちゃったもんね。え？どうやったの？この間来日した時にテレビでインタビュー受けてたろ？
その情報を先にリークしてもらってさ、スタジオの前で出待ちしたんだよ。セブンちゃん手を振ってくれたぜ。あー超可愛かった。くぅ羨ましい。どうしたのキリト君。なんで街中にいる奴らはみんな似たような羽飾りをつけてるんだ。あれは音楽妖精プーカの装飾だろ。でもつけている奴らの種族はバラバラだ。ああ、あれはね、シャムロック信奉者、つまり歌姫セブンのファンである証らしいよ。ファンである証？歌姫セブンの歌が好きだってことか。それは大前提で、最近だとセブンというプレイヤーだけじゃなく、七色博士に対しても心酔している証みたいなの。たまに ALO 内でリアルで研究してる仮想現実理論の講義もやってて大に。なるほど、それだけ何でもできりゃ神々しく見えてくるわけだ。ふーん、キリト君、もしかしてあの子に興味を持ってる？いや、それ以上は何もないぞ。わかってるわ、冗談よ。そうか。Une jeune déesse. なんだかすごい人だかり。おお、どうしたんだろう。あいつら。あれが例の子だね。みんな元気？セブンはとっても元気だよ。セブンちゃんもついに新エリアに来たんだね。今日もかわいい。新曲聴いたよ。最高だった。俺レア素材ゲットしたんだ。だからシャムロックに入れて。バーカ、お前の実力じゃシャムロックに入れてもらえねえよ。すごい人気だな。あの子の信奉者がこんなに多かったなんて思わなかったな。まさにアイドルって感じだね。可愛いし歌も歌えて、それでいてリアル世界の超天才。いろんな要素が複合的に話題性を呼んでこれだけのファンを作ってるんだろうね。音楽妖精プーカっていうのもなんかしっくりきちゃうよね。そうだね、あの種族を選ぶ人ってかなり少ないって聞いてるよ。それにしてもキリト君。あの隣にいる男はかなりの手だれだな。すごい気迫を感じるぜ。一度手合わせ願いたいな。なるほど、あれがセブンちゃんか。なんだクライン、お前も見ていたのか。どうした、お前の好みは確か大人の女性だっただろう。まあな。セブンちゃんはちょっと可愛いなって思うけどよ。それにしてもすごい取り巻きの数ね。この人たちみんなあの子のギルド、シャムロックの一員なの？きっと違うと思うな。ほとんどがただの見物客か熱心なファンか。シャムロックはあの子の周りにいるほんの一握りの人たちだけだね。フィリア詳しいじゃない。まあね、情報収集はトレジャーハンターにとって欠かせないから。って、あれ？ギリとは驚かないの？まあ、実は俺もシャムロックについて調べてたんだよ。なるほどね。まあ、つまりシャムロックはエリスグリの精鋭部隊ってことね。ね、あのセブンって子、すごく弱いの。ステータスだって私たちの誰よりも貧弱だし。そうなの？でもシャムロックってギルドは ALO の中じゃかなり高ランクなんでしょ？うん、そう。シャムロックに所属するプレイヤーたちは相当な手だればかりだよ。あの子は自分で戦わずに周囲に戦わせてギルドとしての戦績を上げているということだ。自分で戦わずにそういう風に攻略していくスタイルもあるのね。
クエストランキング上位100人の中にシャムロックのメンバーがなんと30人もいるんだよ。そしてその中でも最強。あんたサラマンダーの将軍の。なんだったんだ今の。今ユージーンが睨みつけていたイケメンスメラギがシャムロック最強と言われてるの。あの刀を持ったウンディーネの男だな。ユージーンは先日のデュエルであのスメラギに敗れたらしいよ。あのユージーン将軍を。そんな。あ、そういえばそのスメラギって人はね、あのセブンちゃんが最も信頼を置いている人物らしいよ。ユージーン将軍にスメラギか。でも俺もいつか戦ってみたいな。OK. On a eu pas mal d'infos là, c'est cool. Tu veux nous dire quelque chose ? Vous êtes déjà allé au centre de l'île ? Il y a une machine bizarre dont personne n'a encore trouvé l'utilité. Ah, Cyber. Toi aussi, t'as quelque chose à me dire ? Quelqu'un sait ce qu'il peut faire pour atteindre l'île au centre de... Bah, allons voir la machine. Hop, on a combien de temps ? 26 minutes. Ça passe un peu trop vite à mon goût. Peut-être qu'après je ferai des épisodes un peu plus longs, on verra. Alors au centre de l'île, start. D'accord, ça va être là-haut là. Ah, attendez, hop. Mon ordi s'était mis en veille. Du coup je voyais plus le temps de vidéo et ça m'aurait un peu compliqué la tâche. Peut-être ça. Oui, c'est ça, bah juste à... Putain ! この装置、何に使うんだろうな。重要な装置なのかな。あ、お兄ちゃん、誰か来たよ。あの羽飾り、シャムロックか。あいつらも草原の島攻略のために情報収集してるみたいだ。スメラギって人も一緒ね。あんたシャムロックのメンバーだろ。ああそうだ。お前セブンに興味があるのか。ああ、セブンの研究は興味あるな。ネットワーク社会の未来を担う研究者なのは間違いないと思うよ。へえ、お前話がわかるじゃないか。気が合いそうだな。俺もそう思うよ。エールをプレイヤー同士仲良くしようぜ。困ったことがあったら手伝ってやるよ。それなら早速なんだけどさ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。俺たちこの装置を調べてるんだけど、動かすためのヒントとか知らないか。ああ、それならこの近くにある遺跡が怪しいぞ。この装置を作った職人が昔住んでいたらしいんだ。そうなのか。サンキューな。おい、スメラギさんを待たせるんじゃない。早くしろ。は、はい。すみません、今行きます。ああ、またな。よし、装置を動かすヒントをゲットしたぞ。じゃあ早速その遺跡に行ってみようよ。はい、ここから東に少し進んだところにあります。un peu à l'est ici. Stop. Déjà on a un message. Il fait vraiment... Ok. Adorable, je suis trop jaloux. J'adorerais avoir une petite sœur qui est aussi mignonne qu'elle. Ah, d'accord. Non, je croyais que c'était un message de Lifa. J'ai fait... De qui elle parle ? Attendez, juste parce que... Ceux qui n'ont pas regardé l'épisode hors série, là-bas, là-haut, il y avait un truc. Mais j'avais pas regardé plus en détail, je m'étais juste fighté avec les insectes. Là, il y a... Dans le tas, là, il y a des niveaux 350. C'est un peu la misère. Il y a rien de particulier, c'est juste pour ça. Regardez. Lui, il est niveau... Voilà, par exemple, 350, celui-là. J'ai réussi à en tuer 2, je crois. Ou 3, je sais plus.
350, mais il y a aussi des normales, hein. Des normaux plutôt. Non, 300... Ok, je me casse. En fait, ils sont pas très forts, mais c'est surtout qu'ils font bien mal et qu'ils sont longs à tuer, en fait. Mais sinon, ils sont pas spécialement rapides et tout, du coup, c'est pas trop dur de les tuer. Enfin, j'ai trouvé, personnellement. Oh, elle m'a dit à l'est. C'est-à-dire que c'est juste là. On a combien de temps? 30 minutes? On va s'arrêter là? Je pense que c'est ici, je suppose. Oui, c'est ici. Du coup, bah, on va s'arrêter là. On va retourner à la sauvegarde. Parce que voilà, faut pas déconner. Hop. Oh putain. La barre de mana. Merde. On peut pas les récupérer si on vole. Hop. Non. Comment on descend? Comme ça. Aïe. Oh non, pas eux! Alors là, on vient de voir des joueurs qui sont pas gentils, en fait. J'en ai battu aussi pendant le hors série. Je vais y arriver. On va s'arrêter là pour cet épisode là. Déçu de ne pas pouvoir y aller maintenant. Je vais devoir attendre encore une semaine. Enfin, pas une semaine, mais je vais encore devoir attendre. Du coup, je ferai peut-être un épisode dimanche. On verra, je sais pas. Parce que j'ai tout le temps envie d'y jouer. C'est un truc de ouf. En temps normal. Je ferai pas de vidéo de vidéo de ça par semaine. Le jeu, je pense que j'aurais bien attaqué, j'aurais peut-être fini au bout de une semaine, je pense, parce que souvent quand j'ai un nouveau jeu, je geek jusqu'à ce que je l'ai fini. En général, après il y a des jeux plus ou moins longs comme les FF ou les Tales of tout court, pas forcément Xillia, qui sont vachement longs que je mets beaucoup plus de temps à terminer que je mets deux bonnes semaines, je pense. Enfin bref, en tout cas, je raconte ma vie, je sais. J'espère que ça vous aura plu, je suis content. Il y a eu pas mal de cinématiques, on a appris pas mal de choses sur la guilde avec la chanteuse, là, Steven. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ou le chanteur, je sais même pas. Je crois que c'est une fille, hein. Je sais plus. Non, parce qu'il y a des gens, ils ressemblent vachement à une fille, et du coup, je sais pas si c'est vrai. Mais je crois que c'est une fille, il me semble. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Donc je vous dis, à demain pour une nouvelle vidéo. Soit à dimanche pour une nouvelle vidéo de SAO, ou soit à lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!